atteint ça? Ouais, c'est assez mieux pour aujourd'hui. Bravo! Il est 3 minutes, il est beau! Il est beau! Aouh! Ils sont brisés! Et toi? Les Bahamas. Ils gênent pas pour nous offrir des paysages à couper le souffle. Des poissons à en revendre, une eau tellement bleue que ça te crève les yeux, une communauté de gens tous plus beaux à l'intérieur les uns que les autres. Plus que jamais, on connecte directement avec tout ce qui nous entoure. Et on vit au rythme de Dame Nature avec le plus grand respect du monde. Minutes au moins. Peut-être qu'on sera pas pris à mettre l'ancre pendant l'orage. J'espère qu'on soit tous prêts, parés, entrés dans le bateau avant que l'orage pogne parce que c'est noir, ah, s'il vous plaît. Hey, on gèle! Tabarouette! Ouais, fait que là, ici? Ouais. Avant que la tempête pogne, je pense. L'eau ici, c'est vraiment weird. Elle est bleue, 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 mais même pas transparente, on voit pas l'angle dans le fond. C'est avec le ciel gris au bout, là. C'est étrange. Ciel noir avec l'eau bleue, ciel comme ça, là. On dirait qu'on est upside down. C'est magnifique comme ça. On reste juste une nuit, malheureusement. On va rejoindre nos copinets. À l'Écosse, c'est Jinbo. On est arrivé à temps, hein? Tabarouette! Et là, ça tombe en salle. C'est le calme après la tempête. Ça a commencé à mouiller hier soir à genre 5 heures, puis ça l'a pas arrêté de la nuit. Puis je vous avais dit là, le lit en avant, il y a une infiltration qu'on doit trouver. Donc le matelas est tout trempé. On a passé la nuit à changer des débarbouillottes. Mais on est au paradis, tu sais. Fait qu'on a des mauvaises nuits de sommeil au paradis. Quel pire. On a des amis qui nous ont donné le truc de mettre de la vaseline sur les joints des écoutiers. Nous, ils sont tous flambant neufs. Fait que là, on comprenait pas pourquoi l'eau rentrait tout le temps. On pouvait comme pas faire grand chose. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis de la vaseline tout sur le tour. Fait que tout ce qui est noir, là. J'ai pris pas mal de vaseline puis je l'ai comme tout frotté. Ça va jusqu'à maintenant, le résultat est quand même pas si mal. Puis hier, écoutez qui est là, elle est comme crochée, on pense, l'écoute de Génois, elle rentre ici, puis je pense qu'elle a comme tassé un peu. Fait que si elle laisse passer de l'eau, puis hier pendant l'orage, on a juste mis un gros chunk là, de vaseline, puis ça rentrait plus. Un pot de vaseline, ça a donné, oui, on a tout ça en dessous de notre lavabo qui est là depuis 20 ans, puis il est pas fini. Là. Fait que c'est un bon truc que nos amis du bateau Big Fish nous ont donné. Alors je redonne au suivant. Un petit stop de une nuit à Shroud Key. Puis là, on s'en va à Staniel Key. La blanche est...
dans le mouillé. Puis quand on s'est désancré, il s'est mis à mouiller à côté puis à vanter 25 nœuds de vent à des rafales. Mais là, au moins, ils vendent pas mal mon vent arrière, fait que c'est vraiment moins pire là. Ça va être une journée mouillante, qu'est-ce que tu veux, au moins il fait pas frette. Petite victoire, personne n'est tombé à l'eau en allant dans son dinghy. Étant donné les mouvements de nos bateaux qui pouvaient nous donner un peu le tournis, on a décidé d'aller prendre notre déjeuner sur la plage, le temps que ça se calme un peu. Bon, c'est le temps de rire un peu, c'est pas parce que t'as mal au cœur dans ton bateau que ta journée est finie. Essayez de vous timer qu'il y a une vague, puis... Vite, sortez! Le dinghy étant pas mal pesant en avance, la gorgée d'eau qu'il y a eu dedans n'a pas aidé son poids. On a déjeuné et dîné sur la plage, acheté un coup d'œil à nos bateaux de la terre ferme. Ça arrivait quelque chose, au moins on n'était pas loin. Puis on a bien ri de notre matin. Ça a l'air dégueulasse, hein? De l'eau, ça n'a pas de sens. On est tellement bien là aujourd'hui. Là. C'est comme une... Le fait qu'il vente souvent, ça fait que quand c'est paisible comme ça, tu l'apprécies encore plus. C'est magnifique. On est quand même au Bahamas dans des eaux translucides, c'est malade. Il est brisé. On avait attaché le dinghy avec ça, on a une petite corde en avance dinghy, puis on l'attache sur le côté du bateau quand on embarque des barques de stock. Des fois le soir on le laisse là. Il a venté fort dernièrement, puis on s'est levé le matin, puis ça marche plus. Il est cassé. Là on a mis un peu ses VDOT. Lui il disait que c'était pas fait pour faire l'escalade, là. On comprenait, mais je pensais pas qu'il était si faible. La grosseur est quand même pas pire. Ouais, mais sinon c'est le vent qu'on a pogné qui était. Ben, il ventait fort. Ouais. Il ventait fort, puis il y avait des vagues. Ça allait tout le temps bien. Il va bien depuis un mois, deux mois. Là. Pas aujourd'hui. Il a pas aimé ça.
Ouais, c'est qu'on a joué aux poches à la plage hier pendant qu'on attendait que le vent passe. On n'avait pas de poche, mais il y avait un jeu de poche. J'ai pris mes poches de l'Est. On l'a fendu un peu. Là, on veut pas que ça coule. Je vais les réparer. Puis j'avais pas de fil assez solide. J'ai pris du fil à pêche que j'avais de ma petite canne à pêche. Puis, on va faire une belle, petite réparation. On va aller plonger tantôt. On est resté près d'une semaine et demie à Stanielke. Et la semaine prochaine, on vous en montre encore plus sur cette petite ville. Un gros merci à nos Patreons qui nous donnent un méchant coup de main à continuer cette belle aventure et à vous partager du bon contenu. Ils ont la chance d'avoir du contenu exclusif chaque semaine. Allez jeter un coup d'œil, le lien est dans la description du vidéo. Pour nous encourager gratuitement, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. À la semaine prochaine, les chums!